name's Erwin Ralston. My parents are Don and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. En 2003, Aaron Ralston, un Américain de 27 ans, est parti seul sans prévenir personne visiter un canyon isolé de l'Utah, aux États-Unis. Et il a disparu. Il s'est retrouvé dans une situation cauchemardesque, ne pouvant compter que sur lui-même pour survivre. Et c'est son histoire incroyable que je vais vous raconter aujourd'hui. En 2003, Aaron Ralston a 27 ans. Né dans l'Ohio, il a grandi ensuite avec sa famille à Denver dans le Colorado à partir de l'âge de 12 ans. Denver étant au pied des montagnes rocheuses, il a vite appris à faire du ski et de la randonnée en pleine nature. Après de brillantes études, il travaille comme ingénieur en mécanique chez Intel, le second fabricant mondial de semi-conducteurs après Samsung. Mais après 5 ans de travail chez Intel, il commence à être de plus en plus attiré par la vie en plein air, car son travail d'ingénieur est épuisant et il commence à étouffer dans le monde de l'entreprise. Et en 2002, il arrête tout pour se consacrer uniquement à l'alpinisme. Et il escalade de nombreux sommets aux États-Unis. Mais sport extrême, l'alpinisme est dangereux. Si bien que la même année, Aaron est pris dans une avalanche à Resolution Peak, au Colorado, avec des partenaires de ski. Par chance, tout le monde s'en sort vivant, sans blessure grave. Aaron a eu beaucoup de chance avec cette avalanche, il a senti le vent du boulet passer. Dame Nature lui a donné un premier avertissement, mais le jeune homme est optimiste et dynamique. Il est très doué, il le sait, mais il a tendance à avoir trop confiance en lui et ça va finir par encore lui jouer des tours. Le dernier week-end d'avril 2003, Aaron a pour projet de randonner et faire du canyoning dans le parc national des Canyonlands, en particulier dans le Blue John Canyon. Sachant que l'endroit est situé à 473 km d'Aspen, la ville où il vit, il décide de partir la veille pour dormir sur place et commencer sa visite tôt le lendemain matin. Le vendredi 25 avril 2003, Aaron quitte donc son domicile en fin de journée à bord de sa voiture. Direction le parc national des Canyonlands. Il emporte avec lui son VTT et son sac à dos contenant notamment du matériel d'escalade, divers équipements dont une caméra vidéo et aussi des boissons et quelques vivres. Après 5 heures de route, Aaron atteint sa destination. Il garde son véhicule à proximité du Blue John Canyon. Et la nuit étant tombée, il dort à l'intérieur de son véhicule. Et le lendemain, le samedi 26 avril 2003, il quitte sa voiture vers 9h15 et part en VTT rejoindre le canyon qu'il souhaite explorer. Une fois sur place, il continue à pied. Estimant que le site n'est pas vraiment compliqué et dangereux, et vu qu'il est assez bon techniquement, il est doué en alpinisme, Aaron visite les lieux de manière décontractée en écoutant sa musique préférée, le groupe de rock Fish. Au début, tout se passe bien parce qu'il fait un temps superbe et Aaron est vraiment dans son élément, il est seul et heureux. Car l'exploration en solitaire, il adore ça. Et il a aussi un côté un peu fun et foufou. C'est le genre de gars à se prendre en photo avec un grand sourire quand il se prend une gamelle, par exemple. Un peu comme dans le film Jackass. Ce samedi-là, le Blue John Canyon est relativement désert. Mais à un moment donné, Aaron rencontre tout de même deux autres randonneuses. Deux randonneuses avec qui il discute et fait même quelques ascensions. Le contact passe bien entre eux, mais Aaron ne reste pas avec elles parce qu'il préfère randonner seul. Le jeune homme va ensuite dans une faille, un lieu plus difficile d'accès. En effet, le Blue John Canyon est un site naturel splendide avec des failles d'une trentaine de mètres de profondeur. Et parfois, la largeur ne dépasse pas un mètre. Aaron est en train de progresser dans une faille, mais à un moment donné, il doit gérer un passage un peu plus difficile pour pouvoir descendre. Et à un moment, il s'appuie sur un rocher qui est apparemment bloqué dans la faille entre deux parois. Mais le rocher instable se déloge. Et là, c'est la chute. Le jeune homme tombe dans la faille avec le rocher qui lui écrase la main droite contre la paroi du canyon, un peu plus bas. L'accident est donc arrivé. Après quelques secondes, Aaron sent une douleur atroce dans l'avant-bras droit. Et si vous vous êtes déjà coincé un jour un doigt dans une porte, apparemment la douleur est 100 fois plus forte. C'est ce qu'il a expliqué plus tard. Et Aaron se rend vite compte que sa main est coincée entre le rocher et la paroi de la faille. Et bien entendu, son premier réflexe est de tenter de se libérer la main. En rage et dopé par l'adrénaline, il se met alors à tirer de toutes ses forces sur son bras. Il s'acharne en jurant. Pendant 45 minutes, il s'épuise en tentant de dégager sa main. Mais rien ne bouge. Il n'arrive pas à bouger ce rocher parce qu'il pèse 360 kg.
et c'est rigoureusement impossible de le déplacer ne serait-ce que d'un millimètre, quoi. Donc là, je vous raconte pas dans quel état Aaron. Parce qu'il est seul, bloqué au fond d'un canyon, à 30 mètres en dessous de la surface. Il se met bien sûr à appeler à l'aide, il crie aussi fort qu'il peut, mais personne ne lui répond parce qu'il n'y a pas Pam qui vit dans le coin. Là, les minutes défilent et le niveau de stress d'Aaron monte encore d'un cran parce qu'il réalise avec horreur qu'il n'a prévenu personne avant de partir. Il n'a pas dit qu'il allait au Blue John Canyon. Hein. En d'autres termes, personne ne sait qu'il est au Blue John Canyon. Donc autant vous dire qu'il sait qu'il est dans une situation extrêmement compliquée là. Et il a bien conscience que ses heures sont comptées. Aaron sait qu'il est mal barré, mais il a de la ressource. Hein. Et là, il a un bon réflexe. Hein. Il tente de se calmer et de raisonner. Comme la méthode forte, celle de la force brute, n'a pas fonctionné, il décide de réfléchir de manière plus rationnelle. Il fait d'abord l'inventaire de tout ce qu'il a emporté avec lui. Essentiellement du matériel d'escalade, une lampe frontale, mais aussi une pince multifonction imitation Leatherman et un canif bas de gamme. Côté nourriture, il a juste deux burritos et une bouteille d'eau. Pas grand chose donc, et il va vite se mettre à se rationner. Comme déjà dit, il a aussi une caméra vidéo et un appareil photo. Cependant, il n'a pas de téléphone portable. Mais de toute façon, ça aurait été inutile parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique dans cette zone. Aaron réfléchit aux différentes options qu'il a pour s'en sortir. Et il n'y en a pas 36. Il faut qu'il dégage d'une manière ou d'une autre son bras, sinon il va crever dans cet endroit qui est à 30 mètres sous la surface et à une trentaine de kilomètres de la route pavée la plus proche. Le jeune homme retourne le problème dans tous les sens et il va tenter plusieurs méthodes. Il essaye d'abord de gratter le rocher avec la lame de son canif. Mais ça prend un temps fou, ça n'avance pas et il a l'impression que le rocher s'enfonce encore un peu plus sur sa main. Pendant des heures, il frotte la lame contre le rocher, mais c'est peine perdue. Et comme il commence à être fatigué, à rester debout, il trouve une solution. Il jette une sangle avec un nœud un peu plus haut et après de nombreux essais, il réussit à l'accrocher autour d'un rocher. Et il crée ainsi un point d'ancrage sur lequel il fixe son baudrier. Il peut donc s'asseoir, se suspendre un petit peu et se reposer parce qu'il est épuisé. Pour ne rien arranger, l'obscurité et le froid arrivent. Parce que dans le désert de l'Utah, les températures ne dépassent pas les 4 degrés la nuit. Mais Aaron, exténué, réussit tout de même à s'endormir. Le lendemain matin, donc le dimanche matin, le jour revient. Et Aaron, qui est frigorifié, tente de se réchauffer un peu en tendant la jambe vers les rayons du soleil qui tombent dans le canyon. Et après avoir bu et mangé un tout petit peu, il se remet au travail. Car il sait que le temps joue contre lui, hein. C'est une course contre la montre pour survivre, et il ne peut compter que sur lui-même. La première méthode, gratter le rocher avec un couteau n'ayant pas fonctionné, il fabrique un système de poulie avec l'une des cordes qu'il avait amenée avec lui. Et il a du mérite parce qu'il n'a qu'un seul bras valide, son bras gauche. Il réussit tout de même à concevoir un système assez ingénieux permettant de faire levier et soulever le rocher. Mais il a beau tirer de toutes ses forces sur la corde, le rocher ne bouge pas. Parce que la corde qu'il utilise est un peu élastique. Et surtout, il n'a pas assez de force. Parce qu'il faut savoir que pour soulever une masse avec une poulie, il faut exercer une force au moins égale à son poids. 360 kg dans le cas présent. Donc là, c'est mort. Après ce nouvel échec, Aaron a le moral dans les chaussettes, parce qu'en plus, il s'est épuisé à tenter de soulever ce rocher. Il a dépensé beaucoup d'énergie pour rien. Alors qu'on sait que pour survivre, normalement, il faut essayer d'économiser au maximum ses forces. Depuis le début de ce cauchemar, le randonneur documente l'épreuve qu'il traverse. Il se confie à sa caméra parce qu'il n'a personne à qui d'autre parler. Et il envisage de plus en plus sérieusement la dernière option qui s'offre à lui, une option qui implique une décision extrême, couper son propre bras. On est désormais le troisième jour et Aaron, à court d'eau et de nourriture, commence à s'affaiblir. Étant donné qu'il ne peut pas se permettre d'attendre l'arrivée d'éventuels secours, des secours qui arriveront sans doute trop tard, il est déterminé à commettre l'impensable. Mais c'est chaud quand même. Car même s'il réussit à s'amputer le bras, il risque de se vider de son sang. Et comment va-t-il faire ensuite pour sortir du canyon avec un seul bras et retourner à sa voiture, Il en a pour des heures de marche. Mais bon, dans l'immédiat, sa priorité, c'est de libérer sa main de ce satané rocher. Comme il sait qu'il a une artère dans le bras et qu'il veut éviter une hémorragie massive,
Aaron se met un garrot sur le bras avec une corde et se sert d'un mousqueton comme d'un tourniquet pour serrer le garrot. Aaron prend ensuite son courage à une main, parce qu'il n'en a plus qu'une, et il y va, quoi. Il prend son canif et il essaye de se couper la peau de l'avant-bras. Mais c'est un petit canif premier prix. C'est un couteau de poche bas de gamme qu'il avait même eu gratuitement avec l'achat d'une lampe torche à 15$, une lampe torche que lui avait offert sa mère. Et comme Aaron a oublié en partant, parce qu'il est parti un peu vite, son couteau suisse chez lui, il n'a rien d'autre que ce petit canif. Un canif qui ne coupe rien parce que la lame n'est pas aiguisée, quoi. Il n'arrive même pas à se faire saigner. Donc il n'a aucune chance d'arriver à s'amputer, quoi. C'est donc une nouvelle déception. Là, les heures défilent et le soleil se couche très vite. Et Aaron passe une nouvelle nuit seul dans le canyon, dans le froid, la solitude et le désespoir. Au quatrième jour, Aaron se sent de plus en plus faible, déshydraté et fatigué. Parce que sa blessure commence aussi à s'infecter. Et comme il n'a plus d'eau, il boit maintenant son urine. Il n'a pas abandonné l'idée de se couper le bras, mais vu que la première méthode n'a pas fonctionné, il va en essayer une autre. Comme il n'arrive pas à couper avec son couteau, il s'en sert plutôt comme d'un poignard. Il essaie de planter la lame dans son avant-bras. Seulement là, il constate un autre problème, il touche l'os. Parce qu'il faut savoir qu'on a deux os dans l'avant-bras, le radius et le cubitus. Donc rien n'y fait. Il n'a aucune chance d'arriver à se couper l'avant-bras sans outil comme une scie. Vu l'équipement qu'il a avec lui, c'est mission impossible. Et persuadé qu'il ne va pas s'en sortir, Aaron grave alors son épitaphe avec le couteau sur le mur du canyon. Il écrit notamment sur la roche son nom et aussi la date supposée de sa mort, le 30 avril 2003. Et avec sa caméra, il réalise un acte fort, il enregistre son testament. My name is Aaron Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Il enregistre un message d'adieu destiné à sa famille et à ses proches. Acceptant son triste sort, Aaron passe une nouvelle nuit dans le canyon. Une nuit agitée, car il est déshydraté, affamé, souffre de froid et aussi d'infection. En sale état, il a aussi des hallucinations. Et il a notamment la vision d'un petit garçon. Aaron se voit en train de jouer avec cet enfant, comme dans un rêve. Et dans ce rêve, dans ses visions, Aaron n'a plus de poignet. Et il a la conviction que cette scène se déroule dans le futur. Il se dit qu'il est en train de se voir avec son fils dans le futur, et qu'il va vivre cette expérience un jour. Quand le soleil réapparaît le lendemain, ça fait maintenant 5 jours qu'Aaron est bloqué dans le canyon. 5 jours qu'il passe en enfer. Cependant, le jeune homme se sent quand même en paix depuis le moment où il a accepté que cette faille soit son tombeau. Donc Aaron n'est plus très frais, que ce soit physiquement ou mentalement, et à un moment donné, il examine sa main écrasée sous le rocher. Mais pardon pour les détails, mais il voit que la chair de sa main, de son avant-bras, est en train de pourrir. C'est comme si sa main s'était gélifiée. Aaron prend alors son couteau et il pique la lame dedans pour voir. Et là, il sent une odeur immonde. En fait, c'est l'odeur des gaz de putréfaction, quoi. Et là, ça le met en rage. Il en a vraiment ras-le-bol, quoi. Il ne supporte plus cette situation et sous le coup de la colère, il tente encore une nouvelle fois d'arracher son avant-bras. De libérer son avant-bras de ce rocher. Il tire encore comme un malade et là, il a une révélation. Parce qu'il sent que les os de son avant-bras se plient d'une drôle de manière. Et il se dit qu'en forçant plus, en exerçant un mouvement de levier, en tirant très très fort, il pourrait bien réussir à les casser. Aaron est convaincu que cette fois, il a trouvé la solution, il va se casser l'avant-bras. Ça ne l'attriste pas, au contraire, ça le met dans un état d'euphorie, il est vraiment content, quoi. Ayant retrouvé espoir, il va mettre assez vite son plan à exécution. Il tire de toutes ses forces sur son avant-bras, d'une certaine manière, et il réussit. Il réussit à se casser les os. Évidemment, c'est hyper douloureux, ceux d'entre vous qui se sont déjà cassé quelque chose un jour, j'en fais partie, le savent. C'est vrai que les fractures, en général, c'est extrêmement douloureux, mais là, c'est encore pire parce que voilà, il s'est brisé les deux os,
Et c'est vrai que par moments, il est à la limite de tourner de l'œil, de s'évanouir, parce qu'en plus, c'est vrai que à la base, il était déjà pas très en forme. Alors là, avec cette double fracture, c'est un petit peu la totale, quoi. Aaron a mal, mais bon, c'est pas grave pour lui, parce que il est vraiment super content. Hein. Il sait qu'il est en train de retrouver sa liberté, là. Hein. Et il est super motivé pour continuer le boulot, parce que le pire l'attend encore. La partie la plus pénible est encore à venir, parce que il doit maintenant se couper les chairs et les tendons, quoi. Et c'est ce qu'il fait en se servant de son outil multifonction. Et c'est pas une partie de plaisir, comme vous pouvez l'imaginer, hein. Donc je vous passe ces détails, hein, surtout si certains d'entre vous sont à table. Mais bon, Aaron, lui, fait ça de manière sereine, parce que tout ce qui lui importe, dans l'immédiat, c'est de se libérer de ce bras, quoi. Ce bras qui l'emprisonne dans cette faille. Et après environ une heure de charcutage, Aaron réussit enfin à se libérer. Aaron parvient à se libérer de ça, comme il appelle. Ça, c'est son bras, parce que ça ne l'appartient même plus. Et le jeune homme est enfin libre, 127 heures après avoir eu son accident. Aaron réussit à libérer son bras le jeudi 1er mai, en fin de matinée. Et pour lui, c'est une délivrance. Mais le cauchemar n'est pas terminé. Parce qu'il faut qu'il aille à l'hôpital dans les meilleurs délais. Il emballe donc son moignon dans un sac en plastique. Il se fabrique une écharpe de fortune pour soutenir son bras. Il pense à prendre une dernière photo de l'endroit et il part. Aaron se déplace dans le canyon vers la sortie et il réalise encore un exploit. Il réussit à descendre une falaise de 20 mètres en rappel avec un seul bras. Sorti du Blue John Canyon, il doit encore rejoindre sa voiture à 13 km. Il marche donc pendant 10 km presque aux frontières de la mort, quand tout à coup il aperçoit au loin plusieurs randonneurs, un couple et leur fils. Il essaye d'appeler à l'aide mais il est tellement épuisé qu'il a la voix éteinte. Pire, il voit même les gens s'éloigner. Je vous raconte pas l'horreur, hein, mais il réussit tout de même à crier assez fort et les promeneurs viennent le secourir. Il s'agit d'une famille hollandaise, les Majors, qui étaient en vacances aux États-Unis. Les touristes donnent aux survivants de quoi manger et boire et ils alertent évidemment les secours. Il se trouve que les autorités avaient déjà été informées de la disparition d'Aaron par sa famille et qu'ils le recherchaient déjà dans le parc national des Canyonlands après avoir repéré sa voiture. 4 heures après s'être libéré du rocher, Aaron est téléporté vers un hôpital. Il est très faible, il a perdu plus d'un litre de sang et 18 kg de masse corporelle, mais il est vivant. Aaron est un miraculé, un héros, et vu son histoire incroyable, il est interviewé par de nombreux médias dans le monde entier. Sa main droite sera remplacée par une prothèse en forme de pince. Pour la petite histoire, la main et l'avant-bras coupés d'Aaron ont été récupérés sous le rocher par les park rangers, les employés des parcs nationaux. Et il a fallu pas moins de 13 hommes, un treuil et un vérin hydraulique pour déplacer et retirer le rocher. Les restes ont été incinérés et Aaron est ensuite revenu sur les lieux de l'accident pour disperser les cendres. Et ça lui arrive de retourner régulièrement dans cette faille, près du rocher où il avait été prisonnier. C'est presque devenu un lieu de pèlerinage pour lui. Devenu célèbre, Aaron Ralston écrit en 2004 un livre autobiographique intitulé « Between a Rock and a Hard Place », dans lequel il raconte son expérience. Le livre sera un best-seller et son auteur va devenir conférencier. C'est un conférencier motivateur, comme on dit. Si vous êtes intéressé, sachez que il faut payer 25 000 $ pour l'inviter dans une conférence. Il va peut-être falloir économiser un peu. Aaron Ralston a quand même eu du bol en 2003, on peut le dire, mais ça ne l'a pas refroidi, bien au contraire. Il continue de partir dans la nature, le plus souvent accompagné, mais parfois encore seul. Mais maintenant, il prend toujours avant la précaution de prévenir ses proches avant de partir. Après sa guérison, Aaron a continué de gravir des montagnes, notamment l'Aconcagua, un sommet d'Argentine à près de 7000 mètres d'altitude. Et la même année, il est même devenu la première personne à gravir les 59 Fortiners du Colorado en solo en hiver, un projet démarré en 1997 et repris après son amputation. Côté vie privée, Aaron épouse en 2009 une femme nommée Jessica Trusty. Et en février 2010, naît Léo, un petit garçon. Aaron est donc devenu père d'un petit garçon, comme dans la vision qu'il avait eue quand il était coincé dans le canyon. L'année 2010 est l'année de la consécration pour Aaron, car sort au cinéma le film 127 heures de Danny Boyle, l'adaptation de son livre. Et c'est l'acteur James Franco qui joue son rôle. À la fois succès critique et commercial, le film sera même nominé aux Oscars.
Et le film 127 heures est, selon Aaron Ralston, très fidèle à la réalité. À part quand même quelques détails, notamment la scène de la baignade avec les deux randonneuses, qui est vraiment une pure invention, hein. Le scénario manquait peut-être de bikini pour les producteurs, je sais pas. Mais à part ça, c'est assez fidèle à ce qui s'est passé, quoi. Le film retrace assez bien l'histoire d'Aaron, celle d'un gars un peu trop individualiste, un peu trop arrogant, qui redécouvre finalement l'importance des relations humaines et de l'amour. Et c'est de son propre aveu l'une des autres leçons qu'a tiré Aaron de cette incroyable histoire de survie. Aaron a vraiment réalisé un exploit, vraiment un acte extraordinaire, parce qu'il s'en est sorti tout seul, il était vraiment dans une situation qui était pratiquement désespérée. Il a dépassé les limites de ce qu'un être humain est capable de faire, hein. Et s'il avait échoué, il serait devenu une simple, entre guillemets, statistique, quoi. Et moi qui étudie les affaires de disparition dans la nature depuis 2016, ça fait maintenant 8 ans, je suis sûr qu'une partie des randonneurs et randonneuses qui ont disparu dans les parcs nationaux américains ou ailleurs dans le monde ont connu le même destin qu'Aaron. Ils se sont retrouvés bloqués quelque part, blessés, mais n'ont pas réussi à s'en sortir. Ils étaient peut-être dans des lieux très difficiles d'accès, où personne ne va jamais, et voilà pourquoi on ne les a jamais retrouvés. Mais attention, cette explication ne concerne certainement qu'une proportion des randonneurs, des personnes portées disparues dans les espaces sauvages. Ça ne peut en aucun cas expliquer toutes les disparitions. Du moins, c'est mon opinion. Dans mes vidéos et dans mes livres, c'est vrai que j'en profite pour glisser quelques petits conseils de sécurité, faire un peu de prévention, et s'il n'y a qu'une leçon à tirer de cette histoire, c'est de toujours prévenir quelqu'un quand vous partez seul dans une zone sauvage. Et pas besoin de partir au bout du monde, hein, ce conseil est évidemment valable aussi en France. Et si vous êtes à l'étranger et si vous voulez visiter un parc national, aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'il y en a un peu partout dans le monde, même si vous êtes seul, vous pouvez quand même faire une chose, vous pouvez prévenir les park rangers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a à l'entrée de chaque parc national un bureau, un centre d'accueil dans lequel il y a des park rangers, des employés qui sont là aussi pour vous conseiller et aussi pour vous assister, quoi. Et si vous êtes seul, vous pouvez très bien aller les voir en arrivant en leur disant « Bah voilà, je suis venu dans ce parc national pour faire telle balade, je pense rester X heures » et voilà quoi. Comme ça, ils sont prévenus que vous êtes là. Évidemment, avant de repartir, vous repassez les voir parce qu'autrement, ça sert à rien quoi, ça peut les inquiéter pour rien. Mais voilà, il y a donc des solutions, quoi. Autre solution possible, vous pouvez tout à fait enregistrer un message audio sur votre répondeur téléphonique. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'un des spectateurs qui a déjà mis ce conseil dans les commentaires sous mes vidéos. C'est un excellent conseil, un conseil qu'on peut appliquer n'importe où, même en France. Si vous savez que vous devez vous absenter un certain temps pour une randonnée, que ce soit en montagne ou ailleurs, vous pouvez très bien laisser un message sur votre répondeur. Dire voilà, on est tel jour, je suis à tel endroit, je vais faire telle balade, je devrais être rentré à telle date. Comme ça, là, n'importe qui appelle votre numéro, sait où vous êtes, quoi. Car ça, c'est une information cruciale, il est vraiment vital de connaître votre dernière localisation connue, c'est un élément qui fait toute la différence dans les affaires de disparition. Comme ça, si on n'a plus de nouvelles de vous, si vous ne rentrez pas, on sait où vous cherchez. Et dites-moi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse, ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place d'Aaron. Au stade théorique, évidemment, parce qu'on ne peut pas savoir comment on réagirait dans une telle situation. Voilà, c'est avec ces petits conseils de sécurité que je termine cette vidéo. Certains d'entre vous connaissez peut-être déjà cette histoire, parce que c'est vrai que le film 127 heures, c'est quand même assez connu, ça a eu du succès. Mais peut-être que vous avez appris de nouvelles choses aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Un grand merci aussi à ceux et à celles qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est un petit geste qui ne coûte rien, mais qui donne un bon coup de pouce à la chaîne, parce que ça aide à la faire connaître. Et pour plus de contenu, je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne louper aucune future vidéo. Merci du fond du cœur. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos vont vous être proposées dans quelques instants. En ce qui me concerne, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne et en attendant, ne disparaissez pas.